Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Alain. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le nouveau système d'alarme intelligent d'Atlantix. Allez, c'est parti! Je viens de recevoir le nouveau kit d'alarme de la marque française Atlantix. Il s'appelle IPEOS et c'est le top pour une alarme sans fil. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Voilà le kit. On va l'ouvrir ensemble pour voir les équipements et surtout leurs dimensions. Nous avons une première boîte qui contient le kit de base, à savoir la centrale et ses principaux accessoires, et à côté, une deuxième boîte avec la sirène additionnelle. On va ouvrir la première boîte avec le kit de base. On y trouve la centrale d'alarme IP sans fil avec une mini sirène intégrée, un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture, deux télécommandes et des badges RFID. Petite astuce, les différents accessoires sont sous la centrale IP dans la boîte, donc pensez à bien regarder pour les trouver. Et en plus, c'est livré avec deux autocollants dissuasifs que vous pourrez mettre sur votre porte d'entrée. Avec le manuel, c'est très facile, on peut tout monter et installer soi-même, il suffit de percer quelques trous et bim, vous êtes protégé. Atlantix a même pensé à ajouter une sirène intérieure additionnelle pour faire encore plus flipper les intrus. Les deux trucs à retenir dans le système IPEOS, c'est d'une part qu'il s'agit d'un système IP Wi-Fi et d'autre part qu'il est sans fil. On peut donc oublier les saigner dans le mur pour passer tous les câbles afin de relier les différents accessoires à la centrale alarme. Tout communique par liaison radio cryptée. Grâce à cette technologie, il n'est pas possible pour un intrus de brouiller l'alarme. C'est safe, quoi. Bon, comme vous pouvez le voir, niveau design, moi je trouve ça top. C'est épuré, ultra compact, ça s'installe partout, sans choquer le regard. Bon point. Petit bémol, il faut quand même prévoir une alimentation électrique pour la centrale. En même temps, c'est normal, car elle fonctionne avec Internet, mais aussi avec un transmetteur GSM intégré. Il y a toutefois à l'intérieur une batterie de secours en cas de coupure de courant. On va regarder à présent le détecteur d'ouverture. Il se pose très facilement sur une fenêtre ou une porte. Très malin, le double face à la taille est fourni. C'est sympa d'y avoir pensé. Et en plus, si on regarde ici, il y a un petit système anti-arrachement. Si le détecteur est vandalisé, la centrale est prévenue et une alerte est déclenchée immédiatement. On va regarder maintenant le détecteur de mouvement. Il est sans fil lui aussi. Il se fixe avec une petite rotule magnétique très pratique pour pouvoir l'orienter et le fixer de la meilleure des façons. Tout comme le détecteur d'ouverture, le détecteur de mouvement intègre un dispositif anti-sabotage. C'est un système de détection de choc qui déclenche une alerte au moindre choc ou arrachement. On va découvrir enfin les télécommandes. Canon quand même le design. Elles ont 5 fonctionnalités. Armement du système, armement partiel, très pratique pour sécuriser une partie de son logement quand on va se coucher par exemple. Désarmement de la centrale. Alarme d'urgence qui permet de déclencher une alarme sonore ou silencieuse en cas d'agression ou d'accident domestique. Le badge RFID au-delà de la télécommande qui va permettre très simplement d'activer ou de désactiver l'alarme en le passant devant l'écran tactile de la centrale. Un concentré de technologie en somme, simple et efficace. Mais ce qui est vraiment innovant, je trouve, chez l'IPEOS, c'est qu'elle propose un double système d'alerte intégré. En cas d'intrusion, on a non seulement des alertes via le protocole Internet sous forme de notification push sur son portable, mais aussi des alertes par appel téléphonique et envoi de SMS. Voyez la petite fente ici? C'est pour insérer une carte SIM en fait. Votre alarme fonctionne alors comme un téléphone mobile. S'il y a une coupure d'Internet, vous recevrez quand même des alertes par le réseau téléphonique. En cas d'intrusion, la centrale va déclencher les sirènes et adresser des alertes répétitives sur plusieurs numéros préenregistrés. Avec ça, on devrait être tranquille. L'autre plus du système, c'est sa gestion intégrale par application. Depuis mon smartphone, je peux configurer, paramétrer et piloter l'ensemble du système à distance, mais aussi recevoir toutes les notifications et accéder au journal des événements. Pour résumer, l'alarme Atlantix est plutôt très bien pensée. Et surtout, gros plus, le système est prêt à poser, il n'y a pas besoin de faire appel à un installateur. Une alarme pour une protection complète de votre domicile. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.